on my 7th anniversary of being your bishop, I am filled with gratitude and love. It is such an honor and a joy to be on this incredible journey with you, to share wonderful celebrations together, confirmations, baptisms, ordinations, synods, anniversaries, inductions, events like the Family Day and Bishop's Confirmation Day, times of learning and repenting, endings and beginnings, as we all seek to serve Christ where we are and look to follow where Christ leads. Together we are walking in faith and hope and working hard. Thank you for your passion for social justice, your commitment to reaching out to the poor, your desire to learn and grow as disciples, your hospitality, and your prayers. Thank you for your courage and perseverance as we have weathered the pandemic and as we continue to find our way in the kingdom of God. This fall, I will be on sabbatical, using the time for prayer, reflection, and rest. I also want to spend some time thinking about the work that was begun at Lambeth, about the work we have done together in these 7 years, about the way faithful ministry in Quebec and Canada has evolved and is evolving, and what I have observed in my over 60 years praying and growing and serving in the Diocese of Montreal. Please pray for me. Pray for your congregations and clergy and leaders. Pray for yourselves and one another as I take time to prepare my heart for the next years of ministry together. God is calling us. God continues to call us. And God is faithful to his call. He can and will use us, even us, to further his purposes of love and transformation. While I'm on sabbatical, the diocese will be in good hands, capably led by the Vicar General, Archdeacon Robert Camara, all the territorial archdeacons, and the synod staff, which continues to work for you and for the good of our diocese. You will be in my prayers, with love. À l'occasion de mon 7e anniversaire en tant que votre évêque, je suis remplie de reconnaissance et d'amour. C'est un grand honneur et une telle joie de faire ce voyage incroyable avec vous. Nous partageons ensemble de merveilleuses célébrations, confirmations, baptêmes, ordinations, synodes, anniversaires, intronisations, événements tels que la journée de la famille et la journée de confirmation de l'évêque. Moment d'apprentissage et de repentir, fin et commencement, alors que nous cherchons à servir le Christ là où nous sommes et à suivre là où le Christ nous conduit. Ensemble, nous marchons dans la foi et l'espoir et nous travaillons fort. Merci pour votre passion pour la justice sociale, votre engagement à tendre la main aux pauvres, votre désir d'apprendre et de grandir en tant que disciple, votre fidélité, votre hospitalité, votre générosité et vos prières. Merci pour votre courage et votre persévérance alors que nous avons surmonté la pandémie et que nous continuerons à trouver notre chemin dans le royaume de Dieu. Cet automne, je serai en congé sabbatique et je profiterai de ce temps pour prier, réfléchir et me reposer. Je veux prendre le temps de réfléchir au travail qui a été entrepris à Lambeth, à la conférence des évêques, au travail que nous avons fait ensemble au cours de ces 7 années, à la façon dont le ministère fidèle au Québec et au Canada a évolué et continue à évoluer.
et à ce que j'ai observé au cours de mes plus que 60 années de prière, de croissance et de service dans le diocèse de Montréal. Veuillez prier pour moi. Priez également pour vos communautés chrétiennes, votre clergé et vos dirigeants. Priez pour vous-même, alors que je prends le temps de préparer mon cœur pour les prochaines années de ministère ensemble. Dieu nous appelle, continue de nous appeler, et Dieu est fidèle à son appel. Il peut et veut nous utiliser, même nous, pour faire avancer ses objectifs d'amour et de transformation. Pendant mon congé sabbatique, le diocèse sera entre de bonnes mains. Le vicaire général, l'archidiacre Robert Camara, et les archidiacres territoriaux seront là, ainsi que la merveilleuse équipe du bureau du synode qui continue à travailler pour vous et pour le bien de notre diocèse. Vous serez dans mes prières avec amour.